Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très fière d'avoir été choisie pour inaugurer ce premier prix féminin de l'immobilier. Merci à toi, Ariane, d'avoir organisé ce premier prix, montré ce que la femme est capable de faire, ce que veut dire l'immobilier au féminin, comment oser, comment entreprendre, ça se conjugue aussi au féminin. C'est vraiment une superbe idée. Ce prix ouvre la voie, ouvre une voie. Nous avons eu un franc succès cette année avec près de 50 participantes et nous espérons que ce n'est que le début d'une très longue histoire et que ce prix cette année donnera envie à beaucoup de ces femmes qui font l'immobilier de concourir l'année prochaine. Je voudrais dans un premier temps féliciter et remercier nos trois finalistes, Patricia, Angélique, Cécile, pour la vidéo qu'elles nous ont envoyée, les messages qu'elles ont portés, leurs témoignages. En effet, elles mettent en lumière à quel point la relation humaine, que ce soit avec nos clients, avec nos collaborateurs, à quel point ce comportement et cet accompagnement avec nos clients fait le succès de nos entreprises. J'y retrouve toutes les valeurs qui portent notre réseau Orpi et ça me rend d'autant plus fière. Alors sans plus attendre, je vous annonce le nom de la gagnante. Il s'agit de Cécile Fiorentino de Centenier Immobilier. Bravo à vous et bravo à toutes les participantes. Merci à vous de votre enthousiasme et on compte sur vous, très nombreuses bien sûr, pour l'année prochaine. À bientôt.